Comme promis, me revoilà. Hop là. Pause 10 minutes. Ah putain. Alors. Je suis vraiment juste allé pisser au chabois et je vais un tour sur Twitter. J'ai vu des gens se plaindre du mode Chaos Shuffle. C'est rigolo parce qu'on va le tester. Merde, j'ai changé le titre. Putain, en fait, j'ai changé le titre, mais pas complètement. Alors, gestionnaire de stream. Alors, on vient de faire le DB des news. Le 11. C'est bien, ça bug pas du tout. Hop là. Test du nouveau mode qui apparemment... Oh, c'est trop long. Test du nouveau mode, juste. Hop là! Let's go! On coupe la musique? Alors, pas de temps. J'allais dire, putain, faut que tu commences toujours avant une minute d'attente. Ah, c'est 4 minutes, je viens de me rendre compte. Ah, faut jouer survivant, putain, parfait. Alors, apparemment, le mode est catastrophique, vu que je raconte. En fait, vu que les perks sont aléatoires, vite fait pour résumer. Les tueurs jouent comme des sacs à merde, entre autres. Le premier problème, c'est ça, c'est que les tueurs jouent comme des sacs à merde, parce qu'en fait, ils en profitent du coup que bah, les survivants ont pas leur perk à eux, et du coup, ils en profitent pour les tunnels, les camps, trucs comme ça. Ou les slugs. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, quand des gens, ça, leur perk leur plaisent pas, des survivants, en fait, ils quittent la game ou décident de pas jouer. De faire n'importe quoi. Bizarre. Bizarre l'ambiance. En fait, pour moi, le mode perk aléatoire devrait être un truc au pif que tu peux sélectionner qui donne un bonus de points de sang. Mais bon, bref, c'est mes idées. Hein. Ok. Ok, boomeuse. J'ai monté très peu de chevaux P3. Hein. J'ai monté Adi P3? J'en sais un peu. Mon son est super fort. M'en fous. Ah si, je vais mettre... Ouais, voilà, attends ça. Pif. Survival, vas-y. Putain, le jeu a du mal aujourd'hui. Oh, un truc de fou, comment le jeu a vraiment du mal, quoi. Qu'est-ce qui va pas? Rien pourtant. Attends, j'ai vu FPS limite 60. Pas y a pas 45. Ah dommage. Moi je suis en 60 et 30, je vois pas la différence. Reste pour vous, mais ouais, je vois pas la différence moi. On peut mettre des objets, mais c'est quoi l'intérêt? Je crois en skin. Mais ce skin, bien sûr. En fait, on va essayer de faire. Alors, je sais pas si on fera ce soir, mais j'essaie de faire du coup tous les défis. Silver quality, ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais ouais, enfin. Là, je vous ai dit deux problèmes, mais en vrai, juste le problème, par exemple, de les perks sont au pif. Cause plein de trucs à côté, en fait, genre problématique. Genre chez les tueurs aussi, hein, y a des trucs de merde. Genre, par exemple, les tueurs, ils lancent les games. Et ils les quittent parce qu'en fait, les perks leur passent pas. Du coup, les games s'annulent.
Par contre, ouais, je sais pas. Il n'y a pas de gens sur ce mode en fait. C'est tant une catastrophe que ça? Ouais d'accord, il y a vraiment un bon soyez du jour. Putain, ça me gratte le crâne. Parce que je n'ai pas joué au nouveau mode évidemment. Comment j'ai un flow de fou, un flow de zinzin. Je te paye mon peignoir magique, du coup je fais cailler ma race. Mais non, des objets c'est pas drôle. Moi je pensais que mes objets étaient donnés au hasard. Genre t'avais soit une lampe, soit une carte, une boîte à outils, soit une trousse de soins quoi. J'ai pas de clé du coup, c'est le bonheur. Ah la map est bien. Oh, putain c'est quoi mes perks? Franchement, allez, les perks que je vais avoir vont définir mon live. Selon si sont bien ou pas, ok? Allez, let's go. Moi, juste pas un truc toxique. C'est juste même des perks random, je m'en fous. Si mes perks me servent à rien, c'est pas grave. Juste pas un truc de merde, genre nos misers. Mon parent, j'ai pas nos misers. Ah, j'ai des bonnes perks en vrai. Trickster. J'ai conçu pour durer, mais j'ai pas d'objet. Il y a un coffre des fois ici. Ah, la flicaille. Madame, vous êtes flic? Vous êtes du FBI? Non, c'est Wesker ça. C'est Wesker, c'est le texteur au début, je me dis cool. Wesker qui est toujours top 5 des usages. Hein. Bizarrement, le plus joué c'est pas lui, c'est Yen Kno. Je comprends pas. Mais ok. Il y a mon retour qui me gêne, j'ai mal mis, j'aurais dû le mettre à côté. Je le décale. Comme c'est que je vais lâcher, mais il y aura des habités évidemment. Il y a des deadlock, mais il n'y a pas de deadlock du coup. Camp ou pas camp? Vaccine-toi. Non, c'est vrai que j'ai pas de ma perk. En vrai, ça va les perks que j'ai eu. Ah.
Il est arrivé d'où? J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai vu qu'un propose un mode de jeu, et en vrai, ce serait vraiment bien. En fait, un mode de base où. T'as pas de perk, pas d'objet. Et. Oh putain, j'ai eu chaud. Et genre. Juste, tu te démerdes avec ton pouvoir. J'ai envie de dire, en vrai, ce serait vraiment 1000 fois plus équilibré. Bon, pas 1000 fois plus équilibré, mais en vrai, ce serait peut-être mieux pour ceinture, effectivement. On voit juste un mode de jeu un peu compétitif qui. De toute façon, pour moi, il devrait y avoir un mode compétitif en plus du mode casu en fait, hein. Vraiment mode classé. Et genre mettre des. Genre bloquer certaines perks en fait. Genre des perks trop méta. Ou alors en fait, au début de game, tu peux choisir de bloquer une perk. Genre les survivants en bloquent une chacune, mais le tueur en bloque 4 quoi. Pour que ce soit vraiment équitable. Je sais pas ce qu'il y a le tueur, ouais, je suis curieux. Putain. Dégage. Oh, je vais te couvrir, ça va me faire niquer. J'espère qu'elle va tenter de me suivre. Hein. Il était là mon générateur. Merde, il était où mon générateur? Ah, il était derrière. Il était au fond. La meuf, elle allait faire chier tout le monde quand regardez, il y a tout le monde qui est poursuivi quoi. C'est con qu'on suit pour durer, j'aurais pu m'en servir. Tu es vraiment maigre, hein. Au moins, je vais avoir une médaille d'argent sur le générateur. Longue à soigner. Pourquoi il n'y a pas estropiement? Je crois que c'est lui qui a mis l'offrande. Bon, excusez, je jouais comme de la merde avec mon course effrénée, mais en fait, course effrénée, je joue jamais avec la vie. Je suis bloqué, hein. Ça va bloquer. Je vais me chercher, Merde.
Il est où? Il est où? Ah, foutez quoi, mec, mec? Je vais être là, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, t'as la caisse ici, sinon, meuf. Hein. Il va te niquer, en tous les cas. Meuf! Il va te niquer! Mais ça va quoi, ce que je viens de faire? C'est le move ou plus une tulle de sa vie? Oui, effectivement, il tunnel en fait, parce que oui. Ok. Oh putain, y'a pas de pâte. Non, je te pense à une demi-heure! Non! C'est grave! Oh, oh là, le jeu, comment il est honteux! Oh la honte, le jeu! Oh le cri! Je pense qu'il a genre chié barbecue ou un truc comme ça. En vrai, si c'est ça, il y a trop de chance. Et donc en vrai, ça veut dire que si les tueurs en fait ils font pas ça habituellement, genre de camper autour. Et qu'ils tunnelent pas, c'est vraiment à cause des perks. Ah ouais? Genre j'ai vraiment si peu. J'ai vraiment tant sous-estimé que ça. Oh merde. Genre la puissance des perks. Genre sur l'influence des gens, de comment ils jouent. Non par contre là vous avez vu j'étais bloqué par un truc. J'ai littéralement été bloqué par un truc. C'est un truc de dingue hein, en vrai hein. Parce que apparemment c'est que ça, c'est vraiment les gens tunnelent tous et campent tout ça. Et moi ça me fait dire deux choses. C'est déjà le premier truc, ouais, effectivement les perks, putain, ça a tant d'influence que ça du coup. C'est-à-dire que par nature, si campagne tu n'es pas, c'est vraiment parce que il part du principe que t'as des perks. Ah ouais. Et le deuxième truc, ça veut dire que en vrai les devs actuellement dans l'état que sont les jeux, en vrai, ils sont bien démerdés, ça veut dire. Parce qu'effectivement, le fait de camper tunnel tout le temps, c'était un truc qui était là vraiment au début du jeu, quoi. C'est vraiment moi qui cherche. Hein. Genre, il me déteste vraiment. Non, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'ai fait à ta famille, gros? Merci pour le follow, je suppose, vu qu'il n'y a rien qui marche. Il s'est affiché au moins? C'est dingue que genre tout le monde campe et tunnel dans ce mode là. Vraiment, je vous jure, je suis choqué. Je pensais pas que ça soit à ce point là en fait. Ah, bonjour. C'est vrai qu'il me poursuivra encore. Oh oui, non, là par contre, tu m'aurais eu encore. Non, c'est juste que tu mâches les couilles en fait. J'ai même pas vu le viewer counter bug aussi.
comme un con. Ouais, j'essaie de jouer avec un peu mon course effréné. Ça m'a pas mis qu'il y ait qu'un follow pas en fait. Je suis désolé donc cette personne, hein, je n'ai pas remercié. Mais mon truc bug. Vas-y, tue-moi! Mais non, mais non, mais non! J'en profite hein, pour réparer Twitch. Je sais pas si c'est Twitch qui bug chez moi à cause de ma connexion ou c'est vraiment XSplit qui fait de la merde. Au moins, c'est XSplit, vous voyez que c'est XSplit parce qu'ils ont mis leur putain de watermark. Non, 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 non! Elle est où la watermark XSplit? Oh bah merde, ils l'ont enlevé! Oh bah merde! C'est con ça! Ils l'ont enlevé. Je pense qu'ils sont. Je pense que les vites ont eu trop de problèmes et du coup ils l'ont dégagé. C'est pas moi qui ai payé pour l'enlever, hein, je précise. Tu sais que je connais un gars qui a payé pour l'enlever. Alors avant elle était vraiment super envahissante. Je sais plus où elle était, mais elle était plus grosse et vraiment envahissante. Non, elle est vraiment plus là. Vraiment, la game est catastrophique. Hein. Le pire, c'est qu'au début, il commençait plutôt bien. Puis on est là, quoi. Il a tellement cassé son crâne. Allez, dégage! Mais tue-moi en fait, je sais pas, abruti! Non, mais je te. Mais bien sûr, il y a un obstacle ici, tout le monde l'a vu! Mais tue-moi, pitié! Oh, j'ai tellement de signal! En vrai je sais qu'on dirait pas, mais je n'aime pas signal de gens. Mais alors quand on voit des gens avec des comportements comme ça, tu te dis t'es obligé quoi. C'est tellement toxique quoi, enfin. Je pense que c'est pas une histoire pour qu'il ait ses crochets, hein. Je pense que c'est juste vraiment une histoire, il veut juste tuer tout le monde quoi. T'es une blague vivante, t'es une blague vivante. J'espère qu'elle a un truc pour se découvrir toute seule et que tu vas juste te faire niquer. Vraiment, j'espère vraiment. En vrai, vrai truc, par contre, faudrait pas genre une mécanique contre le slugging. J'avais parlé à un moment, mais de mettre un espèce de... Vous savez la conférence de billes là, tu peux trouver tout seul. Genre un truc comme ça, mais au bout d'un certain temps. Genre quand tu t'es à terre depuis trop longtemps, genre tu peux te relever. Pour forcer les tueurs à te ramasser au bout d'un moment, quoi.
Parce que les tueurs qui slug, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est rare, en vrai c'est rare, mais quand ça arrive, tu te fais tellement chier. En fait, autant les gens qui tunnel et qui campent, c'est énervant, autant les gens qui slug, c'est relou, c'est chiant. Parce que, en vrai, ceux qui tunnel et qui campent, au moins l'avantage c'est que la partie va très vite. C'est ultra, ultra relou, ça fait péter des plombs, mais au moins la partie va très vite. Autant ceux qui slug, la partie dure 3 ans, et ça c'est horrible. Du coup, je sais pas c'est quoi que je préfère en fait. C'est grave, hein. Ils sont grave aux chiottes. Je vais aux chiottes. Moi qui me suis dépêché parce que je dis mince, je vais arriver dans ma game. Eh bien non. Hop là. Ah, ça... Du coup, je prends mon peignoir du coup. Hop. Il est où mon peignoir? Ma robe de mage. Mais pourquoi ces gens se mettent pas ready directement en fait là? Il n'y a littéralement rien à préparer. Enfin, je sais pas, mettez-vous prêt quoi. Il n'y a rien à préparer. Putain, en vrai, franchement, ils auraient dû mettre un timer genre de 30 secondes ou 20 secondes. C'est moi qui ai demeuré qui sais pas m'habiller ou pourquoi je trouve pas l'autre manche? Putain. Non, c'est juste que je l'avais pas mis au bon endroit. Enfin, si, mais je cherchais pas au bon endroit. En vrai, on va voir s'il y a vraiment que des campeurs ou des tunnelers ou c'est vraiment que j'ai pas eu de chance. Après, ce que j'ai vu là concorde, littéralement tout ce que j'ai vu là concorde exactement tout ce que j'ai lu tout à l'heure. Hein. Ça slug, ça campe, ça tunnel. Hein. J'ai juste pas vu les survivants qui se suicidaient sur des crochets. Ou qui rage quitter, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pas vu les paires qu'avaient les autres. Ça aurait pu être rigolo. S'il vous plaît, un tueur un peu marrant. Mais nous, Zenkno, il est nul. Zenkno, ce qu'on voit, on l'éclate. C'est fou que même en solo queue, Zenkno, on arrive à le battre, quoi. Tellement qu'il est mauvais. Pardon. Alors, j'ai une grosse perque de merde. J'ai disto qui est bien, mais bon. Je suis décalé pour qu'elle puisse se cacher. C'est quoi là, le truc à gauche là? Je sais même plus. C'est pas genre nous y arriverons? C'est pas genre une grosse perque bien merdique? Par contre, Bite the Bullet en vrai c'est pas trop trop mal. Ça va. Qu'est-ce qui est comme ça? C'est. Je vois tellement pas ce perso quand on crée, ça fait bizarre. Vu qu'il est dans la liste des persos oubliés.
C'est Yui qui, pour une raison inconnue, a changé de doubleuse entre-temps, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une réponse de... C'est pourquoi? Je veux bien savoir. Imaginez à la résistance, Michaela. D'ailleurs, c'est vrai, on joue tueur, je pense qu'on va sûrement prendre chevalier au clown. Hein. Rapide. Je pense qu'il a KO parce qu'on les voit pas. T'as mal à toi. Les airs cool, la bite de belette. Gros. Décroche là. Ah, ce but, ce but, ce but. Non, c'est bon. Je veux dire, ce serait bien une perte qui fait que tu fasses pas bruit quand tu répares un générateur. Ça existe. Dis tu m'as eu, bâtard. Il a pas l'air de tunnel, lui. De pute. Il a KO, hein, c'est bien ça. T'as le pire, c'est que tes habités, j'étais sûr d'avoir mis dessus. Par contre, j'ai pas ça pour toutes les excuses, hein, mais alors je vous jure, par contre, quand je joue en live, je loupe aucun de tes habités. Hein. Vraiment. Genre, à moins qu'il y ait un lag ou vraiment qu'il y ait un lag. Genre, je joue pas. C'est grave, je suis concentré sur mon stream en même temps. Eh, mais j'ai bite the bullet. Ah, c'est. D'accord. Ah ouais. Oh la honte. Je sais que la perte elle est useless. Enfin, useless, ça va. Oh la honte. Oh la honte cette perque. En fait là genre là je regarde pas mon déshabité, genre là je l'ai vu parce que je l'ai rendu, je l'ai vu mais au début j'aurais loupé. Hein. En fait, je suis pas concentré en fait. En fait j'ai trop joué à DBD. Du coup quand je joue je pense à autre chose. Je suis pas concentré sur le jeu. C'est rare vraiment que je joue à DBD en étant concentré. Hein. Yeah.
J'avais une perque, je sais pas si ça revient. Les thèmes ils sont pas trop durs à trouver. Mikaela qui s'est fait accrocher 0 fois. C'est tellement une perque de merde. Je le fais pour les points. Hein. On a fait un générateur. Ouais. Il en reste un là-bas. Je crois qu'il y en a pas là-bas de générateur. Il y en a un plus par là, mais là-bas. Hein. Pas, je crois. Ouais, il y en a là, mais il n'y en a pas, genre. Voilà. Concentré. Non, viens me soigner. Non, putasse. Putasse. Putain, pas Noël. Pas Noël. Pas Noël. Elle a ouvert vite la porte, n'empêche. Hein. Il avait rancœur. C'était qui l'obsession? En vrai, ça sortait pas trop mal, hein. Rancœur et ça, c'est bien, hein. Ouais, ils avaient deux mêmes perks. Et quoi, Mikaela? En vrai, Mikaela, ça va. Elle avait Nomizer, mais elle avait Calm Spirit. Donc en vrai, ça va. En vrai, Mikaela sortait pas si bien que ça. Vrai, ok, elle avait ça, mais vraiment, elle avait une perk, elle est bien avec, et deux perks, c'était pas trop mal. Elodie. Avoir bout de pacte quoi. C'est un composé des objets quoi. En vrai pareil s'ils font en mode compétitif un jour s'ils font en mode vraiment classé il faudrait genre mettre des objets illimités quoi. Mais que tu les limites pour qu'il y ait vraiment une espèce de correctif en mode bon alors. Là par contre c'est vraiment les devs genre qui décident. Non, je l'ai pas fait ça. Pour niveau de points de sang, c'est pas mal. Hein. Là, c'est quoi le bonus de points de sang? Trois fois. Putain, viens. Je suis content parce que les gens disent tous que Vecna est très weak.
Ça me rassure parce que du coup il va être boost. Et c'est tant mieux. Je passe pas une NQNO 2 où tout le monde dit qu'il a un... Tout le monde se ment à soi-même et dit qu'il est incroyable alors que pas du tout. Moi j'ai une chose que je sais, c'est des tiers. Enfin c'est tiers mais c'est vraiment pas bien quoi. C'est tiers parce qu'il peut se TP. Vraiment c'est tout. Et qui attaque à distance. Vous allez me dire, ouais, Dredge aussi peut se TP. Mais Dredge n'a pas d'attaque à distance. Ce qui rend Dredge moins bien en vrai. Mais c'est vrai, Dredge est mieux en théorie. Hein. J'étais fasciné par une tâche qu'il y avait sur mon écran qui était pile à un endroit qui donnait un peu de style à l'icône de Totem. Ils m'auraient dit que ça faisait une petite étincelle. Bref. C'est quoi mes percs? Espoir, je m'en fous. En vrai, ça va, franchement, j'ai pas les trucs dégueulasses. Bon, il y en a une, faut que je fasse gaffe parce que ça peut alerter le tueur. Et je sais plus trop ce qu'a fait. Des singers, ça c'est le pire, tu vois. Ah, c'est vrai que ça me permet de voir Laura. Je vais dire, en plus, ça va, il est lent, il me rattrapera pas, j'ai le temps de refaire un tour. J'allais vraiment, je vous jure que c'est vrai, j'allais vraiment dire ça. J'étais prêt à dire ça là, j'ai la bouche presque ouverte. Apparemment il... c'est pas le... mais c'est pas l'MD Slinger. J'ai même pas entendu viser quoi, non t'as un bruit quand il vise. Bah vous avez vu là j'ai couru vers le Slinger. Mais j'ai pas fait que ça, je savais pas qu'il était là. Ça c'est un truc quand je suis tueur je vois jamais ça. Et souvent genre je trompais et d'un coup merde tombé face à moi. Ça n'arrive jamais. Et du coup, j'ai une vraie question à vous poser. Vous, ça vous arrive quand vous jouez souvent d'aller dans une mauvaise direction? Genre, vous savez pas où est le tueur, vous essayez de vous sauver, vous vous cachez. Sauf quoi, vous tombez face à lui? Genre, ça vous arrive jamais, ça? Je suis le seul à qui ça arrive? Vraiment? Et dans ces cas, vous faites comment pour savoir exactement où est le tueur? Dites pas la logique. Y'a pas de logique tueur, y'aurait pu être n'importe où, là. En fait, ça m'arrive quand je suis indétectable, évidemment, parce qu'ils ont pas besoin de terre, mais. Même quand je joue Sadako, hein. Les gens, ils savent d'où je suis, hein. C'est ça qui est dingue. Genre là, sur ton chanteur de tueur, ok, d'accord, il peut arriver de par là, mais aussi de par là, par exemple. Ou même de par là. On oublie un peu que les pergues Nicolas Cage sont pas mal du tout.
J'ai une peur qu'il faut que je coopère avec des gens pour réparer des trucs. C'est bon, voilà le truc de Zona. Viens! Par qui t'active? Viens, que je répare plus vite, on est d'accord. Hein. Putain, fils de pute. Ouais, ça je répare vraiment plus vite. Je suis à la troisième game, on n'est qu'à 49 minutes de live. Hein. Comme quoi on enchaîne. Mec il se fait John Rush, mais en même temps il joue pire tueur. Évidemment. Moi il m'a eu parce que je suis mauvais. Je suis mauvais et j'ai vraiment en fait plus en base. Je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi en moi, mais sans m'en rendre compte, mais plus en base, plus j'ai l'impression en fait que les survivants ont des outils que moi je sais pas. Genre, quand je vois que tous les survivants par exemple savent dans quelle direction va le tueur et le tueur à chaque fois. Je me dis, les autres s'ils savent, ils ont un truc que moi j'ai pas en fait. C'est probablement faux, mais je sais pas, j'ai cette impression. On m'obligeait pas à aller chercher l'autre. C'est bon, c'est bon. On va se faire niquer, c'est sûr. On va se faire niquer. Non, il y a ce pouce. C'est si grave. Pourquoi je fais le Deathslinger? Après, les gens ils sont vraiment à l'aise avec le tueur. Ça qui est dingue. Moi je dis respect. Hein. Là, je viens de Rage, moi qui est catastrophique. N'empêche, les main Deathslinger. Oh là là là. Franchement, j'ai de la peine pour vous. Moi, quand je vois un Mendes Singer, c'est un peu comme quand je vois les enfants malades atteints de maladies graves et incurables dans les hôpitaux. Vraiment, je vous vois comme ça. Oh là là, vous avez un tueur qui est mid-tier pas ouf. Et on vous la nerf. Un gros nerf en plus. Ils ont enlevé les deux choses qui étaient bien sur le Death Singer. La visée instante et le petit champ de terreur. Franchement, je vous souhaite très bon rétablissement. J'espère que vous allez rétablir. Je crois en vous. Tout le monde, il se fait tunnel H. Vous êtes pas en haut. Hein. Puis j'allais me bouger. Barre-toi, barre-toi, mais barre-toi. Putain, ils y tiennent leurs potes, hein. Merci. Fallait pas.
me casser les couilles. Tu vas pas ici, H, hein. D'accord. Hein. Faites-vous buter, pitié. Faut que je trouve un générateur. Ok, j'ai compris. Tiens, viens là, toi. La forêt. C'est mort. C'est mort, cours, c'est mort. L'erreur. C'est quoi là? C'est passé quoi? Pourquoi j'ai pas pu le décrocher? Ça a annulé trois fois dessus, vous avez vu? Wesh. C'est pas ma souris, hein, c'est vraiment. Et pas. J'ai pas eu de spasme non plus. Je veux dire, c'est une partenaire qui m'avait crié trois fois de suite, mais c'est deux fois ma com, pas c'est une partenaire. Putain, j'ai perdu 1000 points à cause de ma perte. Oh, le seum. Le seum est intergalactique. Là, je me sers à boire. Ah bon? Je l'ai même pas vu! Ouais, d'accord, elle crie vraiment trois fois de suite! C'est dingue! Je dépends. C'est longtemps que je mets le petit carré rouge à côté de quelqu'un. Donc là, c'est pour les points que l'autre m'a volé. Il y a eu secousse, la chance quoi. J'aimerais bien faire une game tour après. Oh, j'aurais bien le trappeur pour la blague. Le problème c'est que le trappeur j'ai aucun aucune offrande sur lui. J'espère qu'il va aller vers moi. Viens. Ça va ralentir, mon pote, pour le sauver. Là, il dit qu'il s'en fout. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Ah, elle a ouvert! Je m'en fous.
On s'est accroché deux fois, je me suis même pas rendu compte. C'est quand la... Ah oui, ici, au début. Au début, si c'est pas. Au début, je regardais ça avec ma pote, en fait. Allez hop. J'ai fait tomber zéro palette encore, putain ça. Attendez, on fait faire une game tueur parce que là on fait pas tomber de palette. En même temps, les deux fois le tueur m'a chassé, la première fois je me suis fait enculer et la deuxième fois je me suis fait enculer aussi mais par ma perk. C'est cool un projet tueur. C'est con qu'on va pas juste switcher en tueur, je sais pas, c'est débile. En vrai j'aurais bien ce que le merchant. J'ai débloqué son skin ou pas? Le nouveau là. Enfin le nouveau. Non, je l'ai pas entier. Vas-y. Skull Merchant, let's go. Plus j'ai des trucs avec elle parce que j'ai beaucoup joué. Pour moi les offrandes marron tu devrais toujours en avoir de base sur toi quoi. Au moins genre même une à la con genre qui donne genre je sais pas moi genre 25% dans un truc que tu choisis quoi. Genre une offrande grise si tu veux, mais genre que t'as infini. Ce qui est dur, je vois parce que j'ai pas d'offrande, donc j'ai l'impression que je vais dans le vide en fait. Ce qui est pas vrai, mais juste pour mon cerveau malade. Et après, je dépensais des points, s'afficher dépenser des points sur des tueurs que j'ai juste envie de jouer genre une fois par mois quoi. Et encore, je suis sympa parce que le trapper, c'est littéralement je joue une fois par an quoi. Pardon, je suis pas mis prêt. Ça complète des objets, mais je trouve ça tellement con. Pourquoi? Ça va être grave. Mais genre ouais, tu veux mettre des trucs comme ça quoi. The Pied Piper. The Killer 6, The Aura Outline. Allez. C'est vrai qu'au début, quand tu commences des vidéos, tu dis ouais, mais tu arrives à se cacher, j'ai jamais les trouver. Et quand tu joues sérieux en moi, tu dis voilà, le tueur va tout à l'heure me niquer. Il va me voir, il va me niquer direct. Ce qui est vrai quand tu commences dans les deux cas. Même si quand tu commences, bah, si tout le monde suivant plutôt tranquille. Moi, j'ai envie que ma toute première game, c'était Trapper sur un de Myers. Et genre, je suis tombé sur des gens qui étaient vraiment vénères pour le coup. Après, je jouais Nurse, je sais plus c'était quoi la map. C'était une map en extérieur, mais je suis plus d'ailleurs, je crois que c'est sa map, mais j'ai un doute. Je crois que j'ai campé un type parce que j'ai pas réussi à en choper un seul. J'étais nul. Pour tuer un meurtrier, ça va. Oh, j'ai un truc qui donne des points de sang. Et il y a un truc qui va bien avec. C'est bien, je vais emmerder tes potes. Yes. Il
Yes. Changer. Parce que déjà elle est chiante, puis ça l'est marqué. Ah, Kate, elle a changé donc. Pas compris ce qu'elle a fait. Oh, mais elle est par terre. Vous allez où? Ouais, en vrai, j'ai pas trop les meilleurs perks. Je sais pas, j'aurais une pioche de fou. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me fait aller plus vite. Ouais, j'ai vraiment une pioche, mais genre d'enculé. Ça, il y a un parc qui s'est activé, mais j'ai pas vu le suivant parce que je pense qu'il. Il doit être contre un générateur, et du coup ça me l'a pas montré. Ouais, voilà, ça doit être elle en fait. Pourquoi vous faites pas tomber les putains de palettes, quoi? Cherche même pas à les esquiver, c'est ça qui est dingue. Juste un petit mouvement avant de passer, quoi. En vrai, il faudrait une couleur spécifique aux drones qui sont morts. Apparemment, il y a un voyant qui s'allume. Voilà, elle m'a foncé dessus, d'accord, ok, j'avoue. La terre, je disais machin machin. Ok, là, elle savait pas où j'étais. Moi, je préfère vraiment prendre les pattes dans la gueule. Pourquoi faire un détour comme ça là? Mais pourquoi? Juste ça, mais pourquoi? Je sais pas c'est quoi leur perk. En vrai. Pas mal en vrai sa musique à Skull Merchant. Sauf de sang, allô?
Et non. Elle est morte, elle, non? Non, je crois qu'elle est en P2. Je crois que personne n'est mort, là, après. Il y a Ada, peut-être. Pour le trou de balle. Hop là. Il dégage, lui. Est-ce qu'on était plutôt bien placé celui-là en vrai? Ouais, je sais le placer là. Pas mal aussi ici. Je pense qu'elle avait Eden, mais elle a mal timé. Sinon, j'ai pas compris. Elles vont soigner. C'est moi qui ai déclenché le corbeau. Je crois que j'aurais dû le laisser pour voir si les autres passaient comme ça après. Gagner des points, je crois qu'elles passent. Pas de lampe. Hein. Oh non! C'est l'autre, c'est Kate. Elle est revenue. C'est Kate, elle est revenue avec sa lampe. T'as resté planqué. Évidemment. Oui, c'est un champ de mine. C'est un champ de mine. Vous allez faire quoi? Vas-y, ouais, c'est ça, c'est Kate. Bien tenté, n'empêche, hein. Kate, t'as cru vraiment que je vais venir. Du coup, là, oui. Vas-y, tirer. Ça va, en son endroit, je suis plutôt bien, attendez. Oula, je suis même à fond, attendez, regardez. Allez, hop, max. C'est pas toujours évident, évident de faire max avec Skull Merchant, ça dépend des games en fait. C'est facile de se faire des points en sournoiserie, mais alors le max c'est un peu tendu généralement, c'est assez chaud. En fait. Parce qu'en fait, tu fais des points, en fait c'est comme Plague, tu te fais des points assez facilement mais tu t'en fais pas assez. Il devrait augmenter les scores de points sur Plague et Skull Merchant, mais surtout sur Plague, rajouter d'autres events de points quoi. D'ailleurs pareil, même critique sur Zienkno. Zienkno, il y a des trucs, genre le fait que quand tu te TP ça donne pas de points, ça nul. Tu devrais avoir une TP, enfin des points quand tu te TP. Quand tu places un clone, peut-être pas, mais quand tu te TP, oui.
Hop, c'est bon. C'est fait. C'est quoi le suivant? Oh, ça va, c'est passé. Ça, c'est gratuit. Oh, mais genre, on s'en fout, ta coupe de champagne, mec. Je le fais, mais pourquoi je fais ça? Bon, je vous en prends aussi des emotes à ce train-là. Vas-y, qui est là? Je voulais jouer le chevalier. Parce que j'ai vraiment envie de jouer le chevalier. Je vais aussi jouer trappeur, parce que j'ai vraiment envie de jouer le trappeur. Trappeur, c'est que j'ai vraiment 0 0 30. C'est pour ça que je joue pas. Par contre, j'ai vraiment pas déboussolé, du coup, ça va être l'enfer. Attendez, il y a un bonus x3, moi je prends ça, hein. J'annonce, ça va être horrible. J'ai même pas vu, j'avais quoi comme perk d'ailleurs. Pas checké. J'ai oublié. Est-ce que vous pensez en vrai que si on savait les perks qu'on avait à ce moment-là, dès qu'on arrive dans le salon, les gens, genre, ils quitteraient et reviendraient à chaque fois pour avoir des paires qui leur conviennent ou pas. Je pense que là, qu'ils le feront, mais à quel point, genre, quel point ils en auraient? Je sais pas, en vrai. Parce que j'en ai toujours pas vu, mais apparemment, il y en a vraiment qui font ça, genre, in-game. Genre, ils voient in-game, ils arrivent dans la partie, leur paire qui leur passe pas, ils quittent. Ou ils se butent sur un crochet. Alors, ils attirent le tueur et hop, ils se tuent. Avant, quand j'étais des banderoles de fête 50, c'est toujours des objets. C'est la seule occasion de faire des objets. Maintenant, je fais plus ça. Les objets, je joue vraiment jamais avec. La seule fois où je jouais avec des objets, la dernièrement, c'était quand je jouais le chevalier. Je jouais avec la map et la viande séchée. Parce que c'était beaucoup trop fort, en fait. Et genre, t'avais vraiment un sentiment de puissance de fou. En fait, mon problème avec les objets, en dehors du fait que je suis psychorigide, le truc c'est qu'en fait, quand tu arrêtes de jouer avec, tu perds un truc en fait. T'as vraiment l'impression que ton tueur a été nerf. Dire, c'est quand même. N'arrête pas de jouer avec. Ouais, mais arrête, du coup, faut entretenir les objets, faut toujours faire en sorte que t'en aies. Je trouve ça angoissant de toujours te surveiller dans ma merde, je peux plus en avoir, faut que je monte en point de sang, je ne bientôt plus d'objets et tout. Moi, ça m'arrive genre genre de grinder les toiles de certains persos que je joue. Parce que je sais que je vais les jouer et du coup je gagne juste des offrandes pour avoir des offrandes pour les jouer. Mais genre, les objets, je sais pas pourquoi, ça m'angoisse vraiment, premier degré. Du coup, je joue pas avec d'objets. C'est con parce que. On pourrait croire que je joue pas avec des objets parce que je le trouve inutile, mais en fait, non, c'est. Ou pour un défi, mais non, pas du tout. Hein. Genre demain, Sadako, il y a un objet qui fait que tu passes à travers les palettes, même en étant genre enfin, manifesté, jouer avec, hein, vraiment. J'ai jamais vu, c'est quoi mes perks? Alors j'ai vraiment que des perks sympas. Hein. Il y a juste Undying qui sert à rien. Ouais, Undying c'est cool, ça leur fait des points de sang quoi. Je pense à Alit, elle voulait pas s'en servir. Ok. Bizarre l'ambiance.
Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me décaler et frapper, mais apparemment je suis pris dans un truc invisible. Je me suis fait ça d'Aquad. Censé me faire quoi ça? Moi j'aurais pensé qu'il aurait décroché sa botte. Regarde un suicide! Ah non, non, c'est qu'il y a dedans, putain, merde! Non, ils n'ont toujours pas décroché l'autre! Je viens de capter! Je crois que c'était elle qui s'est suicidée, mais non, non, ils n'ont toujours pas décroché l'autre! Oh putain, le solo cul, quoi! Dans sa plus noble des formes! Oui, c'est que Dwight qui fait des générateurs et c'est un putain de jeune jockey. Ils sont vraiment tous, ils vont vraiment tous crever comme ça. Oui, c'est ça, c'est que Dwight, en fait, t'es un gen jockey, du coup, il était sous son gène. Non, ça m'a... Putain, j'ai kické sur la télé, ça m'a TP sur l'autre, du coup. Dwight, je reviens là. Est-ce qu'ils vont le laisser crever ou pas? Vous avez un problème avec les casiers, quoi. Tu sais, la game d'avant, quelqu'un qui s'est fait niquer comme ça. Je peux l'emmener en bas, j'ai peur de me faire niquer. Je crois qu'il est sûrement qui me bodyblock. Ouais, voilà, je me fais pas y aller, du coup. Ouais, mais l'obsession, je vais pas l'attaquer, c'est... C'est le gars que qui vient de se faire décrocher, le pauvre, quoi. Je pense que c'est non. Il a pas envie de se faire tunnel, quoi. Là que ses deux potes, ils sont passés en P2 gratuitement. Attends, je vais faire tomber la patte et je vais me TP. Alors, petite strat Sadako qui marche vraiment. Faites le petit mouvement, là, comme ça, devant une palette. Faire croire que vous allez la casser, c'est quasiment la même animation, sinon ils ne font pas trop la différence, en fait. Pour les faire fuir, en fait. Trop cool les animations, Sadako. Ouais, je trouvais pas ça intéressant de faire une tier list par exemple des meilleures animations, faire un top. Parce que, en fait, le problème c'est que la plupart des tueurs, la moitié des tueurs ont des animations très génériques. Genre, même les tueurs qui ont des animations un peu à part, en vrai, c'est pas si fou que ça. Genre, le Xenomorph par exemple, je trouve que les animations sont ok quoi. Respect parce qu'ils ont fait des personnalisés pour le Xenomorph, mais en vrai, sinon. En vrai, c'est très générique. C'est vrai que j'ai pas déboussolé du coup. Parce que vu que j'ai joué déboussolé, ça va quoi. Hello, Terrascoper. How you doing? Very good. J'espère que cette personne va vouloir me vendre ses services. Glad to hear that. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui passent et c'est pour me vendre le fait qu'ils vendent des trucs, genre des emotes, des trucs comme ça, quoi. Where are you from? France? Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est les mêmes questions génériques que je me tape.
C'est sûr qu'on a ça. Nice to meet you. Thanks. I am from US. Good. Do you like shooting game or fighting game? No, not absolutely not. I just like chill. Why? Ah, il demande quel, c'est quoi mes jeux que je joue d'habitude. Qu'est-ce que tu fais, toi? Vous allez voir. Ah, nice! Ah, vous voyez pas le chat? Attendez. Which is your favorite game? I don't know. Good question. I don't think I have a favorite game. C'est bon, la chatbox a bug. Non, ce serait dommage que vous loupez ça. Oh, I have an offer for you, may I teach it? Tiens. What is it? C'est trop dommage que Drake se sente vivant en vrai. Mais c'est fou que c'est toujours les mêmes questions et... Genre à chaque fois c'est pour ça quoi, tu vois je les spot à force en fait. Tellement qu'ils ont même pattern. Les mecs c'est des robots quoi. Je crois que Doug va sortir vivant malheureusement. Ça fait chier en vrai mais bon. Ouais, vas-y, partout. Ah non, il veut pas se barrer. Quoi? I am professional graphic designer. Quelle surprise. I can enhance your channel appeal with stunning artwork. Il y avait pas de numéros. Gain follower. Ok. I'm not interested because I am myself a graphics, so I can make what I want, and I don't stream for afterwards. I stream for just chill. It's just that passion, not. Oh my God. You can show me your works if you want, but really I'm not interested by your service. You are the. You are very, 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 j'ai dit number, mais c'est pas ça. Comment on dit nombreux? You are a lot of propose me a graphic service. I don't know why people come to me. But ok. Je sais pas en fait, c'est quoi qui fait de moi un profil pour attirer ces gens-là en fait? Qu'est-ce qui fait que les gens se disent, vas-y, cette personne-là, sûre, va être intéressée de vous? C'est quelqu'un qui a mis la bonne rôle. Oh là là. Je suis content que c'est pas Dwight qui a fait 17 000 points. Et là, il va se barrer parce que du coup. J'ai dit non. Et du coup, il va partir sur mon chien sur quelqu'un d'autre, il va continuer la chaîne comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens vont voir moi. Je tiens à dire un truc, s'il y a quasiment rien sur mon setup, c'est parce qu'à la base, il y avait plus de choses. J'ai dû les enlever petit à petit parce qu'en fait, ils gênaient. Soit parce que Twitch n'arrivait pas à les synchroniser, ça buguait. Alors que c'était pas le cas au début, hein, c'est avec le temps.
soit parce qu'il y avait des gens qui trollaient. Genre avant, il y avait un truc qui était assez joli que j'avais fait et tout, qui indiquait les noms des gens qui avaient follow, les deux dernières personnes qui avaient follow. Le truc, c'est que il y avait des gens qui faisaient exprès de follow avec des mots ultra racistes ou ultra vulgaires, et qui se unfollowaient et qui en fait enlevaient leur follow directement derrière, juste pour que leur nom s'affiche. Et le problème, c'est que même si unfollow derrière, en fait, ça affichait quand même les noms. Donc j'ai dû enlever en fait. C'est un exemple de truc. Du coup, je veux dire, est-ce que le viewer counter? Mais à la base, il y avait plein de trucs en fait. Ouais, ça y est, c'est barré. Ouais. Avec 1h29 qu'on joue? Bon, on fait une dernière game parce que c'est vraiment qu'une heure 29, mais après je vais arrêter, j'ai la dalle, il est 20h30. Ouais, en fait, non, on va vraiment s'arrêter maintenant, j'ai vraiment trop la dalle. Puis il est 20h30 quoi, j'ai du travail à faire. Je jouerai sûrement après, mais. Non, je sais pas pourquoi ces gens viennent me voir moi. Bizarre l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe sur Steam? Instagram fait voir elle. Fait les arts des nouveaux persos sur Raven. Je vous montre pas parce qu'on bat les couilles, mais. Ah yes, c'est bien, quand tu cliques sur le lien Instagram, ça t'envoie sur Steam Communauté. Ah c'est bon. J'ai juste trop cliqué en fait. Oh, c'est beau ce qu'il fait. Mais ce sont des arts qu'il a fait pour Raven. Ouais, bah moi je vais vous laisser, hein, de toute façon, là, je fais mon temps. Mais c'est fou, là, il faut qu'on fait beaucoup de games par rapport à d'habitude. J'ai reçu un succès extraterrestre. Achevez le générateur de la base du site d'atterrissage de Toba, échappez-vous. Cool. Bref. Merci en tout cas d'avoir regardé ce live. Normalement, on se dit à demain pour un nouveau stream. Normalement, lundi, il n'y aura pas de stream et demain, il y en aura un. Demain, je sais pas ce que je ferai pas. Je pense qu'on fera WoW Remix. On va voir. Bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce stream et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. La bise.